Faites beaucoup attention, peuple malien. Sinon, 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 les liens qui nous lient, les liens de fraternité, l'amour que les Ivoiriens vous ont donné peut se transformer en une haine que vous n'allez pas pouvoir contenir. Je vous le dis et je répète, demandez aux Ghanéens, à Sekotoko, demandez à l'époque, à ses couturés, quand il a arrêté nos soldats, ce qui se passe au Mali n'est pas la première fois. Mais l'histoire a retenu qui a gagné. La bataille. Demandez à Sécoutouré. Demandez à la Guinée de Sécoutouré. Ce qui s'en est passé avec feu ou soufou Vous êtes resté toujours là à accuser la Côte d'Ivoire de vous déstabiliser. Vous êtes toujours là à accuser la Côte d'Ivoire de vous empêcher d'évoluer. Bande de vos bandes menteurs, bande de vauriens. Vos, vos échecs là, vous voulez le faire porter ce chapeau à la tête, à, à, à la Côte d'Ivoire. Vous avez accusé à l'époque notre président feu ou d'empêcher la sous-région d'évoluer pendant que la Côte d'Ivoire évoluait. Vous l'avez empêché, vous l'avez critiqué, vous l'avez insulté, vous l'avez vilipendé. Ce n'est pas nouveau, votre comportement. Ce n'est pas nouveau, ça ne nous étonne pas. Vous, le peuple malien, déc la décision de vos autorités que vous applaudissez n'importe comment, pourtant vous êtes le peuple le plus migratoire dans le monde entier. Vous êtes le peuple le plus immigrant dans le monde. Vous êtes partout. Et vous avez la grande gueule. Et vous applaudissez, vous, vous encouragez vos autorités dans les bêtises. Et je suis en train de vous dire, faites attention. N'encouragez pas vos autorités dans les bêtises. Sinon, il peut y avoir des retombées très très délicates vis-à-vis -vis des relations humaines et de populations entre populations. Donc faites, faites attention aux décisions pacotilles de votre soi-disant justice qui juge nos karassi soldats sans avocat interdisant les médias au Mali. Et nous n'allons pas donner contenance ou de la valeur à cet État voyou. Mais malgré ça, on vous a adopté chez nous. On vous a reçu chez nous. Si vous vous asseyez gaillardement, vous, vous racontez des bêtises. La Côte d'Ivoire est gouvernée par un étranger. La Côte d'Ivoire est par un étranger. C'est parce qu'on vous a reçu chez nous avec amour, avec fraternité. Parce qu'on est humain. Parce que la divise de la Côte d'Ivoire, c'est Union, discipline, Travail. L'Union nationale de la Côte d'Ivoire dit pays de l'expérience. Pays d'hospitalité. Pays d'amour. Pays de fraternité. Et ce sont ces valeurs-là qui courent dans les veines de chaque Ivoirien. C'est pour cela vous aussi, vous, vous dites, c'est étrangers qui gouverne chez vous. C'est les étrangers qui gouvernent chez vous. C'est parce qu'on aime les étrangers. C'est parce que l'amour des autres coule dans notre veine. Que vous, comme ça, là, vous nous insultez. Sinon, vos bêtises, là, vous ne pouvez pas faire ça au Gabon. Vos bêtises là, vous ne pouvez pas faire ça dans d'autres pays. Mais ce n'est pas vous, c'est nous. Notre gentillesse là aura des limites très bientôt. Ne soyez pas étonnés. Que ce soit après Ouattara, que ce soit sous Ouattara. Dans quelques temps, dans quelques années, dans quelques décennies, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques minutes, notre gentillesse là, qui fait de nous un peuple bête, comme vous êtes en train de vous dire là, aura des limites. C'est en Afrique de l'Ouest là, à la réponse de la Côte d'Ivoire, il a écrit à quoi bas Bienvenue, bienvenue chez toi. Il n'y a pas d'étranger en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien ne connaît pas ce qui est étranger. Et cela se passe partout en Côte d'Ivoire. Nous, on a grandi à Bobo. On vivait avec des Guinéens, des Maliens. Et quand on nous demandait c'est qui, on dit c'est notre frère. On ne sait pas, nous on ne sait pas faire la différence. On ne sait pas dire à quelqu'un, lui, là, non, c'est un Malien, je suis Ivoirien. L'Ivoirien ne sait pas faire ça. C'est vous qui savez faire ça. Et c'est vous qui êtes en train de nous apprendre à faire ça. Et quand on va commencer, vous allez apprécier. Ça, on vous le dit. Ça, c'est mon message de, de meilleur vœu à vous. C'est-à-dire que Maliens. Vous êtes tous nyamis dedans. Vous êtes en train de vous parler en même temps. Donc le titre de ce jour-là. Nous, on va, on va proposer que ça revienne dans notre pays. De toute façon, on t il de séjour chez les Belges en France? On va proposer qu'on t il de séjour chez nous Il n'aura pas en Côte d'Ivoire, il n'aura pas foyer pour vous héberger comme en France. Hein. Dites-vous ça en même temps. Quand il de jour il va commencer là, il n'aura pas foyer pour vous héberger comme en France ici. On vous héberge là. Il n'aura pas foyer. Tu ne perds pas le titre de séjour, tu retournes chez toi. Cette loi-là, ça va s'instaurer en Côte d'Ivoire. Et vous allez comprendre que notre gentillesse là, on le fait parce qu'on est humain. Vous avez compris On le fait parce que Dieu nous a tout donné. On estime qu'on doit partager ça avec vous. Donc si vous ne pouvez pas nous respecter, si vous ne voulez pas nous respecter, vous allez nous insulter parce que vous estimez que nos pays-là, pays, c'est pour les étrangers. C'est pour les étrangers. Si nous, on veut prendre nos pays-là dans votre main, c'est à la minute. C'est notre pays. C'est notre patrie. Ça, là, Il faut que vous sachiez ça. La Corée ne peut jamais appartenir aux étrangers. On a juste permis aux étrangers de vivre chez nous. Parce que quand ils crient chez toi et puis tu viens chez quelqu'un d'autre, c'est parce que tu... Il y a... Quelque chose te manque chez toi que tu viens chez quelqu'un. Vous comprenez ça? C'est ça que la vraie vérité. Que ce soit, même nous, Ivoiriens, qui quittons chez nous pour venir en Europe, c'est parce que quelque chose nous manque chez nous qu'on vient en Europe. Si on ne vient pas en Europe parce qu'on a envie de venir se promener, bien nager dans l'eau. Non. On vient parce que ce quelque... qui nous manque, ce que nous voulons ici, là. ça nous manque chez nous. Alors que vous, vous êtes 5 millions à être en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vous manquent là-bas, que vous venez chercher en Côte d'Ivoire. On n'est pas pareil. On est juste gentil. Mais notre gentillesse aura des limites. Notre amour que nous portons pour toute la sous-région aura des limites. Ça, il faut que vous le sachiez. Arrêtez d'accuser la Côte d'Ivoire de vous empêcher d'évoluer. Arrêtez ça. Il y a longtemps, vous êtes dans cette démagogie politique. Il y a longtemps, vous êtes dans cette philosophie politique. Vous l'avez fait avec Nana ou Boigny. Vous, vous avez fait ça avec Nana ou Boigny. Babou était au pouvoir. Vous l'avez traité de tuer les étrangers, de faire ça aux étrangers. Aujourd'hui, vous avez dénigré Baboïs. Oufou était là. Vous avez accusé tout. Aujourd'hui, Oufou est là. Il est votre héros. Arrêtez et dites plutôt à vos autorités qui vous gouvernent de prendre leurs responsabilités pour développer vos pays là. Personne ne vous empêche de vous rier. Vous avez juste des, 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 des responsables idiots, nuls, à la tête de vos pays. Et ça, il faut qu'on vous le dise dès maintenant. Vous comprenez ça? Ça, il faut qu'on vous le dise dès maintenant. Parce que tous les pays-là, on travaille tous à la France. Et puis on tire conclusion de ça. Et puis on construit nos pays. C'est vous seuls là. Vous êtes toujours dans vos mensonges. Votre échec là, vous prenez ça, vous portez le chapeau à tout le monde. J'ai fini de parler. C'est mon message de mes vœux qui est là comme ça. Hein. Prenez ça. Mon message de mes là, chacun va prendre pour lui dedans un peu un peu. Et puis il va partir avec ça. Ça, c'est ma première vidéo de 2023. Donc, vos justice de Pacotis qui a condamné nos 46 soldats là, ça ne nous fait ni chaud, ni froid, ni quoi que ce soit. Parce qu'aucune justice au monde ne peut juger 46 personnes en une journée, délibérer et puis décider de leur sort. Aucune justice. Du moins, vous ne les avez pas jugés. Vous avez décidé de venir les condamner. Vous êtes venu les condamner. Parce qu'aucune justice ne peut juger une affaire si sérieuse sans assistance d'un avocat, de ses clients, et puis les condamner. Vous êtes mis ensemble, vous avez décidé de leur avenir, enfin, de leur sort. Mais ce n'est même pas leur sort. Parce que tôt ou tard, ils vont regagner Abidjan. Et cela va vous étonner. Mais ce que vous êtes en train de s'aimer là, c'est que vos autorités sont en train de s'aimer pour les applaudir dedans là. Vous allez payer le prix. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Tout ou tard, vous allez payer le prix de ces relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali que vous avez dégradées. Vous allez payer le prix de ça. Je vous le dis en tant qu'Ivoirien. Vous allez payer le prix de ça. Donc continuez à applaudir vos autorités dans ça. Continuez à les ovationner. Vous allez payer le prix. Et puis vous n'allez pas vous rendre compte. Si ce que Dieu bénisse ma belle patrie, la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la côte des Ivoires. Alors je suis ici pour vous qui m'admirez, pour vous qui trouvez en moi un courage, pour vous qui trouvez en moi une inspiration, pour vous qui me suivez depuis des années. Je suis ici pour vous souhaiter les vœux les meilleurs. Santé, donc je reprends. Je suis ici pour vous souhaiter les vœux les meilleurs et que Dieu bénisse tout le peuple de Côte d'Ivoire et tous ceux qui y habitent. Ainsi, j'apporterai aussi mon soutien à la famille des 46 soldats détenus au Mali par ces poutistes, par ces terroristes, ces autorités maliennes qui fonctionnent comme des terroristes dont nous tous nous voulons combattre, qui ont pris nos 46 soldats en otage à l'échange des exilés maliens réfugiés au Mali. Parce que quand on nous demande de donner des exilés maliens pour nous rendre nos soldats, ça ça. Du chantage et de la prise d'otage. Mais nous n'allons pas céder à cette démagogie parce que nous sommes un pays très accueillant. Nous sommes un peuple amour, nous sommes un peuple accueillant et chaleureux. Et notre amour dépasse notre haine. Nous n'allons pas céder à cette barbarie des autorités maliennes. Je suis ici pour souhaiter meilleurs voeux à nos 46 soldats au Mali. Ceux-là qui sont allés en mission sur l'ordre de la hiérarchie, qui nous ont demandé. En aucun cas, être au Mali est aujourd'hui victime de la barbarie de ces autorités maliennes qui souhaiteraient faire de nos 46 soldats des échanges entre les exilés maliens réfugiés en Côte d'Ivoire. Ce que notre État n'acceptera pas, parce que ces, ces autorités qui, qui sont censées venir combattre le terroriste, mais qui se, combattre, qui se comportent au même titre que les terroristes, nous, Ivoiriens, et les autorités ivoiriennes ne céderont pas. Nos 46 soldats, nous les considérons comme étant en mission au Mali. Un grain de leur cheveu ne quittera pas. Nous ne donnons pas de la contenance et de la valeur à cette justice de la barbarie, à ce tribunal de la comédie, à ce tribunal enfantin, à ce tribunal qui est étonné le monde. Un procès où nos soldats n'ont pas le droit d'être assistés par des avocats, ça ne peut que se passer dans un état voyou, un état brigand au Mali. Et nous n'allons pas donné contenance ou de la valeur à cet état voyou. Nous souhaitons meilleurs voeux à nos 46 soldats. Ils sont des soldats. Ils sont habitués à des missions compliquées. Ils sont habitués à des situations compliquées. Nous sommes auprès de leur famille. Et je peux rassurer leurs famille que, quel que soit le temps, et nous ils reviendront très bientôt en Côte d'Ivoire. Quel que soit ce verdict comédie. Parce qu'un État sérieux, une justice sérieuse, ne peut pas juger un affaire si sérieuse, un dossier si sérieux en une seule journée, et puis donner le verdict en une seule journée. On n'a pas encore vu ça dans le monde. Et comme le disait un, un jour un Adam, le Mali va étonner le monde. Mais au lieu d'étonner le monde de façon positive, ils étonnent le monde de façon négative. Toujours en train de mettre la population dans du vous-vous-là, pour masquer leur échec à la tête de leur pays parce que ce qu'ils avaient promis à leur peuple, c'est de combattre le terrorisme et non de faire de la comédie à la tête du pays. Tout ce que nous voyons là à travers nos 46 soldats, nous appelons ça de la comédie, de la pure comédie. Nous avons un état sérieux, nous avons notre diplomatie, nous avons des relations humaines et pour ce fait-là, nous allons continuer à faire ce qu'il faut faire pour que nos 46 soldats nous reviennent sains et saufs et ils nous reviendront sains et saufs. Sains et saufs. Nous ne donnons aucune considération à ce verdict juridique du tribunal de, du Mali qui n'a empêché, qui a empêché tous les médias d'assister à ce tribunal tant attendu. Parce qu'on aurait bien voulu que la justice malienne nous prouve par A plus B pourquoi elle juge nos soldats et pourquoi elle les condamne. Ça, on aurait bien voulu le savoir. Ils ont interdit tous les médias d'y assister et de décider de l'avenir de nos 46 soldats comme ils le souhaitent. Mais sachez que, quel que soit le temps, en tant qu'ivoirien, je parle en tant qu'ivoirien, quel que soit le temps que nos 46 soldats vont fait chez vous, donnez-le à manger copieusement, prenez soin d'eux copieusement, que rien n'arrive à aucun d'entre eux, que rien ne leur arrive. Prenez ça comme une menace. Mais si quelque chose s'avérait arriver à un de nos soldats qui est encore au Mali chez vous là-bas, vous allez payer le prix de ça toute votre vie, et je dirais toute une génération malienne allait payer le prix. Et je sais de quoi je parle. Et je, je, la, je le dis ici et je le, je le réaffirme. Donc nous, en tant qu'ivoiriens, réfléchis, nous, en tant qu'ivoiriens, nous qui ne cherchons pas l'amour des Maliens pour des vues ou pour des matues vues, nous, nos soldats-là, on ne peut pas les juger en une journée pour, pour une affaire si sérieuse et puis les condamner en une journée. Et puis nous, on va croire que ça, là, c'est une justice. C'est tout sauf une justice, c'est de la comédie, de la démagogie. Nous, nos autorités font tout ce qu'ils font pour ramener nos soldats sains et saufs. Le Mali a assez de problèmes. Nous ne rentrerons pas en guerre pour ceux qui sont en train de chercher sa prétexte, Nous ne rentrerons pas en guerre contre le Mali. Non, nous, on ne va pas rentrer en guerre contre ce pays que nous avons estimé être frère. Donc, certains de nos soldats ont perdu la vie. Pour la sécurité du peuple malien. Ce peuple égocentrique, nous ne rentrerons pas en guerre contre ce peuple égocentrique. Nous voulons rappeler tout, tout simplement à ceux qui ont une petite mémoire que des soldats ivoiriens ont déjà perdu la vie pour ce peuple-là, pour lutter contre les terroristes. Mais, hélas, aujourd'hui, ces autorités en place fonctionnent comme des terroristes et se comportent comme des terroristes, arrêtant 49 de nos soldats qui ont été envoyés en mission par leur Hirachi qui n'ont pas demandé à partir en mission au Mali, qui ont été envoyés en mission au Mali, arrêtés par des Maliens, et ces poutiche à la tête de leur pays, qui se comportent au même titre que des terroristes, on pourra dire que le combat terroriste est encore rude à mener. Parce qu'à la tête même du Mali, se trouvent des terroristes masqués, qui se comportent au même titre que des terroristes. Et je le dis, j'affirme, je n'ai rien à voir avec le Mali, je n'y mettrai pas les pieds. Pour vous qui m'envoyez des messages pour dire le jour tu viens au Mali, tu vas voir. Je n'y mettrai jamais mes pieds. Si je, je meurs que je reviens dans le monde, je n'y mettrai pas non plus les pieds. Parce que je n'en ai rien à foutre au Mali. Je ne vois rien qui peut m'attirer au Mali. Il n'y a aucune histoire, il n'y a aucun tourisme qui peut m'inviter à aller au Mali. Ça, vous le retenez aujourd'hui, vous le retenez demain. Et j'aimerais aussi interpeller la population malienne de prendre ses responsabilités. Parce que le comportement de vos autorités. Peut avoir des effets très négatifs sur les relations humaines entre nous, ivoirs et maliens. Et ces relations négatives-là auraient un impact très très compliqué pour vous les maliens. J'aimerais vous rappeler ici que vous êtes des oiseaux migratoires. Vous êtes 5 millions au Mali. 5 millions de maliens vivant en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous vous azibez pour des décisions sauvages de vos autorités, faites attention. Parce que le peuple ivoire est très patient, mais quand elle décide de ne plus être patient, les conséquences sont très lourdes. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est mon message de fin d'année que je suis en train de vous donner comme ça. Parce qu'on aurait bien voulu que votre justice démontre aux yeux du monde entier les preuves qu'ils ont pour condamner nos soldats. Voilà ce qu'on aurait voulu. Pour un État sérieux, un État intelligent, vous allez accepter les médias, les avocats. Et puis démontrer par A plus B les preuves qui vous donnent le droit de condamner les charges, du moins, qui vous donnent le droit de condamner nos soldats à, 40, à, 40, à 20 ans de prison et 2 millions d'amendes. Vous avez besoin d'argent, on peut vous donner 2 millions là, comme si c'est rien. Mais va même de nous donner des amendes de 2 millions là, vous nous devez au moins combien de milliards d'électricité Prenez les 2 millions, 2 millions de ces 20 soldats là dans les, dans les dettes que vous avez envers la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, meilleur vœu à vous, chers soldats. Vous êtes des soldats, vous pouvez surmonter ces épreuves-là comme si de rien n'était. Et nos états, vos états, les dirigeants, et vos hiérarchies sont en train de tout mettre en œuvre pour que vous regagniez votre famille. Et vous allez les regagner tôt ou tard. Vous êtes en mission. Et vous le savez, que là où vous êtes au Mali, vous êtes en mission. Et personne ne peut vous enlever ça dans la tête. Restez forts, chers soldats ivoiriens. Nous, on ne va jamais vous renier. Et je profite ici pour parler à Maman Aïcha Kone. Maman, il faut créer ton parti politique, tu vas faire la politique. Chanson là, c'est fini, on sait que c'est fini. Ta carrière, de, chanter là en Côte d'Ivoire c'est fini, on sait ça. J'ai vu une vidéo de toi où tu disais que ces soldats envoyés au Mali ne sont pas ivoiriens. En même temps que vous parlez de panafricanisme, vous êtes dans le tribalisme. Je ne sais pas de quel panafricanisme vous voulez nous parler. Ça aussi, c'est ton message de fin d'année. Alors, ta vidéo où j'ai regardé, puis tu dis les 46 soldats au Mali, certains ne sont pas ivoiriens, m'a rendu triste. Pour ton âge, la sagesse aurait voulu que tu t'étais si certaines choses. Pour ton âge. La sagesse, ou du moins ton appartenance politique, ou réclamer panafricain, aurait voulu que tu ne tiennes pas certains propos. Pendant que vous réclamez panafricain, il y a des propos que vous ne devriez pas tenir. Donc, les soldats ivoiriens, là, c'était son étranger. Et pourtant, vous parlez de démocratie. Vous parlez de panafricanisme. Vous dites que les Africains... C'est-à-dire qu'un ivoirien qui se retrouve au Mali est, est malien. Un malien qui se retrouve. Et puis, vous, en même temps que vous dites ça, vous êtes en train de vous contredire dans votre dit. Maman Ishakore, Fais de la politique, mais il faut bien faire ta politique. Voilà. Parce que la musique, là, tu ne peux plus rien apporter en musique. Déjà... On parle de diva diva de la musique. Tu n'as pas créé une fondation pour aider les gens. Tu n'as rien fait. Tu as chanté. Ce que tu pouvais chanter, c'est fini. Moi, on a pris ta chanson. Eh, connais, Et puis, c'est fini. Bon, c'est fini. Bref. Mais la politique que tu veux faire, il faut bien la faire. Parce que ton leader, ton mentor, de Laurent dit qu'il est panafricain. Et son parti, c'est un parti panafricaniste. Donc, on n'a plus le droit, même logiquement parlant, d'entendre parler de... Ils sont étrangers, ils sont pas ivoiriens. Parce que ceux qui sont là-bas, si vous estimez que c'est des Maliens et que la Côte d'Ivoire a estimé que c'est des Ivoiriens, vous devrez être heureux parce que vous parlez du panafricanisme. Vous devez vous, en, vous, vous sentir heureux et, 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 et non trouver que ce sont des étrangers. Ah oui! Alors donc, c'est vous qui êtes des menteurs, des imposteurs. Vous n'êtes pas des panafricains. Vous êtes des tribalistes. C'est ça que je dis que la vraie vérité. Mais au-delà de ça, j'aimerais ici dire que ça aussi, c'est mon message de meilleur vue à Laurent Babo. C'est Babo Laurent qui nous a mis dans ça. C'est mon grand-père Koudou qui nous a mis dans ça. La carte de séjour doit revenir en Côte d'Ivoire. La carte de séjour. Parce que beaucoup de personnes ont commencé à manquer de respect aux Ivoiriens. La carte de séjour doit revenir en Côte d'Ivoire. Pour que ces, in, ces individus mal intentionnés, à qui la Côte d'Ivoire donne tout et qui veulent manquer de respect à la Côte d'Ivoire, puissent respecter à nouveau la Côte d'Ivoire. Donc le titre de séjour, Ivoire, là. Doit revenir en Côte d'Ivoire. Si vous voulez appeler ça du tribalisme, appelez ça ce que vous voulez. Mais la carte de séjour doit revenir en Côte d'Ivoire. Et je dis que c'est Babou Laurent qui nous a mis dans ça. Où aujourd'hui, un étranger peut se permettre de raconter tout et n'importe quoi, nous insulter, c'est Babou Laurent qui a voulu ça. Le titre de séjour doit revenir en Côte d'Ivoire pour que ces gens-là puissent respecter les Ivoiriens. Pour que ces individus mal intentionnés à qui la Côte d'Ivoire donne tout. Et puis en retour et viripandes des insultes à la Côte d'Ivoire puissent savoir qu'ils sont dans un pays qui leur donne vraiment tout. Le titre de chez vous doit revenir en Côte d'Ivoire. Et nous allons ici commencer à, faire, à en faire un débat pour que nos députés puissent ramener le titre de chez-vous Ivoire pour que chacun puisse respecter la Côte d'Ivoire à sa juste valeur dans notre sous-région. Pour que chacun puisse respecter la Côte d'Ivoire à sa juste valeur. Nous allons demander à nos, à nos députés à l'Assemblée nationale de, de proposer cette loi à l'Assemblée nationale. Et nous, Ivoiriens, nous voulons ça. Pour que ces, ces individus-là puissent respecter la Côte d'Ivoire, sa juste valeur. C'est nous, on a cru qu'on était des frères. C'est nous, on a cru qu'on était un peuple frère. C'est nous, on a cru qu'on était tous Africains. Mais eux-là, ils veulent nous montrer le contraire. Et on va, on va aller avec ça. On va courir, eux, dans sa dépiment. Et on va voir qu'est-ce que ça va apporter. Donc, continuez à suivre vos autorités dans leur, dans leur folie. Mais leur folie qu'ils sont en train de pratiquer là, vous risquez, vous qui les suivez, vous population lambda, vous risquez d'en payer le prix le plus fort. Et je vous le dis en tant qu'un Ivoirien, et je le dis avec tout mon cœur et tout mon âme, vous risquez de payer le prix de la barbarie de vos autorités, de vos soi-disant autorités à la tête de votre pays, vous risquez de payer le prix le plus fort de leur barbarie. Donc faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Que Dieu bénisse. Le pays le plus doux au monde. Que Dieu bénisse le peuple le plus accueillant au monde. Que Dieu continue de bénir cette terre déjà bénie par Dieu. Que Dieu bénisse la côte des Ivoires. Et que Dieu bénisse chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, pour cette nouvelle année. 2023.